avons engagé le combat. À la demande de toutes les forces vives, de l'opposition et de la société civile, la lutte continue et continuera. Il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la libération de tous nos militants, tous nos cadres incarcérés. Continuer également ce dialogue jusqu'à ce que ceux qui ont été forcés de fuir à l'étranger opèrent un retour sécurisé chez nous. Ce sont là des préalables non négociables. Nous savons que le combat que nous menons est une cause noble et juste et que Dieu ne permet pas que soit vaincu celui qui mène un tel combat. Nous ne baissons pas les bras et nous exigeons toujours que toutes ces personnes soient rendues à la liberté, à la paix et à la tranquillité. Je voudrais vous rassurer que personne ne sera laissé plus longtemps encore en prison. Au PDCI comme à l'opposition, ce que nous voulons, c'est réellement la paix, la fraternité entre Ivoiriens. Je voudrais vous dire que le combat continue. Il faut maintenir toujours la pression tant qu'on n'est pas mort, la toux ne quitte pas la gorge. Tant qu'on marche, on ne cesse pas de balancer les bras.